bonsoir. Nous souhaitons nous toutes bienvenue ou bien bon retour sur Chenza. Récemment, nous avons présenté nous cocktail Rum Sour. Rum qui était fait avec blancheur à tout. Là, nous allons présenter un autre rum, un autre cocktail que un pile monde remet qui sorti Cuba, qui est le Mojito. Alors, Mojito, M-O-J-I-T-O. Alors, origine cocktail ça, qui sorti Cuba, c'était un gros d'api en paix, tant que Christophe Colomb, un explorateur, voleur, assassin, pillager, tant que Christophe Colomb qui est Drake, qui sorti en Angleterre, qui, dans le moment, t'a pillé Havana, capitale Cuba, on voit qu'il a été surpris plusieurs fois, qu'a pris ta fia, on voit qu'il a siroté ta fia, dit clairé, équivalent clairé en Haïti, ta fia avec et feuille menthe. Ok? Bon, par la suite, ça c'était dans le 16e siècle. Et, mais Mojito a vraiment créé en 1920. Ok? Il y a eu une rehausser, il a remplacé tafia par rhum et puis ajouter l'autre ingrédient, tafou, eau gazeuse, etc. La donne, mais il a toujours conservé les feuilles menthe. Là. Ok? Il est rentré, Kounyala, non? Et cocktail national cubain à côté Cuba Libre, ok. Donc Mojito c'est un ambassadeur de l'île de Cuba, ok. Et puis il y a un célèbre pour les férus de la littérature, un célèbre écrivain américain qui est Ernest Hemingway, qui entre 1939 et 1960 était qu'on allait Cuba souvent et toujours t'es qu'on a demandé pour Mojito. Bon, ça a étonné un peu le monde parce que monsieur plus il a tendance et il a faiblesse pour cocktail qui est très fort, yo. Ok? Donc mais il était remé Mojito. Donc et dans les années 90, on s'est démocratisé en France parce que il a fait une grosse campagne pour rhum, célèbre rhum cubain qui est Havana Club là. Donc et puis donc avec Mojito, donc il était utilisé Mojito justement pour faire promotion rhum ça en France, en Haïti, non, Borio, oui, nous on joint Mojito, yo kon servil, nous kon fèl et puis me pensé qu'un pile monde sous chaîne ça qu'a aimé Mojito. Donc nous allons nous comment la caillouette ou café avant n'a saluer tout membre chaîne. OK, même chaîne c'est monde n'a pas nord là, monde ça va venir membre, c'est parce que yo té voyé contribution yo soit par PayPal ou bien par mon cash ou bien yo té cliquer sur bouton join qui en bas vidéo, n'importe vidéo qui dans chaîne là et puis yo té choisi yo n'a plan. Donc ça fait nous gain diamant, nous gain saphir, nous gain monde qui c'est gold comme membership, gain monde qui gagné argent et puis nous gagnons un autre membership tout neuf qui est super fan. OK, donc si ça intéresse pour faire ça pour venir membre et ben pour supporter chaîne dans tout, donc ou ca cliquer sur bouton join ou bien ou ca faire ça par PayPal dans vous voyez contribution là par PayPal dans gaspardorilien@gmail.com ou bien si ça n'a étudié par mon cash dans 36 72 25 58. Ok, vous regardez tout ça a besoin pour nous faire cocktail Mojito. Mais ensemble ingrédients avec matériel n'a besoin pour nous faire Mojito. Élément de base nous allons utiliser pour faire cocktail ça c'est rhum,
ou qu'a utilisé rhum blanc ou bien rhum ambria, mais les Cubains qui ont créé ce cocktail ont toujours utilisé du rhum blanc. Et il y a un rhum cubain très célèbre qui est le Havana Club. Et donc, c'est rhum blanc qu'on a utilisé. Sauf qu'on a toujours utilisé shaker, mais il y a l'autre matériel qu'on a utilisé dans la place shaker. Ou bien, il y a un petit manche pilon comme ça, qui a remplacé shaker. Élément de base à côté rhum blanc de mojito, c'est feuille de menthe. Je vais vous dire en espagnol là, hierba buena. On a besoin de jus citron. On a besoin de mesurer ça. On a besoin d'eau gazeuse. On a besoin de sucre blanc. Ou bien, si vous ne pouvez pas utiliser sucre blanc, vous pouvez utiliser sirop canne. Ça veut dire sucre en liquide qui est fait à base de canne à sucre. On a besoin de cuillère pour boire sel. Et puis, on a besoin, bien entendu, de glace pilée. Ok? C'est ensemble ingrédients sérieux avec matière sérieux. Nous allons utiliser pour nous faire célèbre cocktail cubain ça qui c'est mojito. Façon au café mojito. Une façon c'est à mettre tout d'ailleurs ensemble dans shaker et puis au shake-li. Mais les Cubains ils font comme ça. J'aimerais bien le faire là. Alors on a besoin environ 10 feuilles menthe. Ok. Il y a deux là déjà. On a fait 4. Alors gros feuilles, petite feuille. Hein? Qui les a posé pour la vidéo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Souvelez, vous pouvez utiliser sirop ou bien vous pouvez utiliser sucre en poudre. Alors, Cubains en général, vous préférez utiliser sucre en poudre. C'est-à-dire sucre. Bon, vous pouvez faire avec sucre pour vous ouvrir, mais en général, Cubain, c'est de mettre cocktail là, je vais même plus utiliser sucre blanc. Ok? Donc, non. Alors, sous feuilleur, on va mettre 2 cuillères de sucre. Ok? Et puis maintenant avec espèce de manche pilon ça et puis on a voyer mélanger feuille avec sucre là. Ok, on le bat au café, on fait encore. Alors, je vais utiliser citron de jean pour bon citron, pour couper en 4, comme ça. Et puis, vous mettez le mélange de jean déjà, hein, et puis vous pressez. Donc là, là, après, non seulement jus à tout, mais tout zeste citron, toute saveur qui gagne dans le pot citron, on prend tout. Ok, maintenant on a besoin environ 2,5 centilitres jus citron.
5 centilitres rhum. Ok. On va mettre 5.5. Maintenant, on va ajouter quelques morceaux de glace. Une première fois. Ensuite, on va mettre agua con gas. Elle dit de l'eau gazeuse. Ok. Et puis, nous prenons pile les glaces là pour mettre en l'air net. Alors, si vous avez une machine à glace, vous juste mettre une machine là et puis. Et là, on va mettre le torchon. On va faire la laïcienne. Je ne sais pas comment faire longtemps. Hein. Et puis, ensuite, on va casser les glaces là. Le four processeur à tout des cas fait ça, merci, n'oubliez pas le processeur, le café dans le four processeur. Et après ça a été fait. Comment faire? Il faut faire le fameux. Oui, avec la sana, mais c'est oui. Puis on décore le tout. On tape comme ça. Puis s'ouvrir. À toujours décorer avec un gros citron. On va le faire en taille là comme ça. Ouh. Et puis voilà. Notre mojito est prêt. Para hacer el mojito necesito limón, hierba buena, hielo, hielo, agua con gas. Ok, pour faire le mojito, on a besoin du rhum, on a besoin de l'eau gazeuse, on a besoin de citron, on a besoin feuille menthe et puis le tour est jaune. Bien sûr, on a besoin de glace pilée. Et puis voilà. Donc, c'est un cocktail qui est très rafraîchissant parce que le citron la donne, parce que surtout il y a une feuille menthe là. Et ma problème que cocktail ça, parmi cocktail national Cuba, c'est un gros ambassadeur Cuba. Tout côté Noël, qu'on est, n'a pas songé Cuba, n'a pas songé Rome célèbre Cuba qui est le Habana Club.
Donc voilà, la caillou étant, donc nous avons offert tête nous de très bons cocktails comme si nous allions dans un bar grâce à chaîne. Et peut-être ça, nous avons et recette ça, un beau thumbs up. Pour s'en aller, pas pour s'en aller, pour s'en aller. Et puis, on a partagé avec nos amis, notre famille. Et puis, on a fait un petit fête et un petit get together. Donc, on a impressionné un vidéo YouTube avec cocktail mojito, ça. Ou bien cocktail où on a fait tout. Warm sour que j'ai présenté dernièrement. Et puis, nous avons l'autre cocktail que nous présenté déjà. Pina colada. Si vous voulez faire mimosa, tout, nous faisons sur chaîne déjà. Donc, voilà. À côté de recettes non seulement pour mes soeurs, recettes qui m'ont l'estomac très mal, recettes capitaine combat anémie, recettes haïtiennes, nous avons joué tout, cocktail sous Shenza. Donc, c'est un one-stop shop. Et pour arriver dans Shenza là, tout le monde a joué, bien pour tout le monde. Songez explorer l'autre recette qui est en bas. Si nous faites abonner à Shenza, nous charger recettes. Ok? Eh bien, je vous souhaite tout qui va faire cocktail ça, bon rafraîchissement. Et qui va gagner un sucre, mais je vais vous obliger à goûter. Je vais vous faire cocktail ça. C'est goûter ça. Il va dans l'alcool, il va dans cocktail. Waouh! C'est super!